Cela va sembler l'évidence même, mais le jeu vidéo est devenu un divertissement de plus en plus commercial. Les blockbusters, créés par des équipes de plusieurs centaines de personnes, doivent désormais se vendre à plusieurs millions d'exemplaires pour rentabiliser des années de développement. Dans ce contexte, l'originalité, la créativité et la prise de risque ont perdu irrémédiablement du terrain. Les majors de l'industrie du jeu leur préférant la sécurité relative de recettes éculées et de suites sans âme. À l'exception de quelques bonnes surprises comme Mirror's Edge, le salut créatif de notre divertissement favori semble désormais entre les mains des développeurs indépendants. Grâce à la démocratisation du haut débit, les irréductibles indés sont désormais en mesure de vendre directement leurs créations sans passer par un intermédiaire obsédé par les dollars et le chiffre d'affaires. Ces dernières années, la scène indé s'est fait connaître du grand public grâce à des jeux innovants comme Braid ou World of Goo. C'est désormais au tour de Crayon Physics Deluxe, accessible pour moins de 20$ sur le site officiel du jeu, de poursuivre la grande fresque du jeu indépendant. Crayon Physics a commencé sous la forme d'un prototype développé au printemps 2007 par Petri Puro, un game designer finlandais de 25 ans en tout juste 5 jours. L'engouement suscité par cette première mouture le poussa à retravailler sa création, pour en faire un produit plus complet, d'où le surnom Deluxe de cette nouvelle version. Le principe de Crayon Physics Deluxe est simple. Dans chaque tableau, une balle et une ou plusieurs étoiles. Le but est de ramasser un maximum d'étoiles avec la balle, afin de débloquer de nouveaux niveaux. Pour un peu, on se croirait dans Mario, à la différence que Crayon Physics n'est pas un jeu de plateforme. C'est en fait un puzzle game au principe un peu particulier. Dans un univers enfantin et naïf croqué au pastel et au crayon de couleur, le joueur doit en effet dessiner des formes à l'aide de sa souris ou du stylet de sa tablette graphique s'il en a une. Lorsqu'il relâche la pression de son tracé, la forme obtient une réalité physique dans le monde bidimensionnel de la page. Elle tombe, glisse, penche et repousse les autres objets. En effet, la façon dont elle a été dessinée va lui conférer un certain poids, un certain équilibre. Ces formes vont permettre au joueur de provoquer une réaction en chaîne qui amènera la fameuse balle sur l'étoile tant convoitée. Un peu à la manière de ce bon vieux The Incredible Machine, mais en version gribouillage. Au départ, les niveaux sont plutôt simplistes, mais le joueur devra très vite apprendre à maîtriser de nombreuses variables, comme les chevilles autour desquelles il faudra faire pivoter ses objets, ou les cordes qui permettent d'obtenir des effets de contrepoids. Si acquérir les étoiles n'est jamais vraiment difficile, chacune d'entre elles peut être obtenue de trois façons différentes. La solution old school est la plus simple à réaliser. C'est en général celle que l'on obtient toujours la première fois. La solution élégante demande d'y parvenir en dessinant le moins d'objets possible. Enfin, la solution démente est laissée à l'appréciation du joueur, qui a la possibilité de s'attribuer lui-même cette étoile s'il estime avoir trouvé une solution hors du commun au puzzle proposé. Physique Deluxe fait partie de ces jeux typiquement indépendants, un univers graphique singulier, musique zen et planante à souhait, et concept original et novateur. C'est un puzzle game inventif et dénué de stress qui rappellera au joueur sa tendre enfance, quand il pensait que ses dessins gribouillés dans les marges de ses cahiers allaient prendre vie et l'emmener loin de la salle de classe. D'ailleurs, la présence d'un éditeur de niveau démontre cette volonté de réveiller la créativité du joueur. Mais la réussite artistique et la force de son concept mis à part, force est de reconnaître qu'il manque un petit quelque chose à Crayon Physics Deluxe pour en faire un jeu indispensable. On a en effet souvent l'impression que le concept, fort intéressant au demeurant, n'est pas poussé au maximum. Oui, il y a un côté étrangement frustrant dans Crayon Physics Deluxe. Comme si l'idée géniale de faire prendre vie au dessin du joueur était limitée dans le carcan d'un gameplay de puzzle game finalement un peu trop classique, un peu plat. Un comble pour un jeu se déroulant sur une feuille de papier. Il n'en reste pas moins que le jeu de Petri Puro ouvre des possibilités fascinantes en matière de gameplay, qu'il nous tarde à présent de voir en action.